je vois un gros dossier là qui doit faire au moins 2 kilos. Waouh, quand même, là c'est. Avec un CD. C'est lourd ça. C'est, ben, c'est lourd, effectivement. Tu peux parler, c'est lourd. Hein? Mais comment ça se fait qu'un homme puisse avoir un dossier aussi lourd comme ça là? Venez là, moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Qui donne du repos? Jésus. Qui? Jésus. Eh. On croirait que c'est un dossier nucléaire. Ça, c'est que pour toi. Ouais, c'est pour moi. Ouais. C'était pour toi. Oui, c'était pour moi. Oh, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Avant de témoigner, je voulais qu'on glorifie la gloire de Dieu. Tu veux d'abord qu'on glorifie le Seigneur? Donc, on va chanter d'abord. Ah ben, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia.
gloire à Dieu. Alors, mon frère, je vois ici ce dossier qui est assez lourd. Dessus, il y a écrit « Centre d'imagerie médicale ». Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai eu cette maladie. C'était le micro près de la bouche. La maladie de dos, en fait. Ça okay. fait 20 années que j'ai souffert. 20 ans que tu souffrais ouais. du dos. Ouais. Depuis, j'ai eu cette maladie à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc, je souffrais énormément. Mm-hmm. Donc, ça a commencé petit à petit et après, ça s'est empiré. D'accord. Donc, en 2012, mm-hmm. j'étais obligé de faire tous ces diagnostics-là. Mm-hmm. Donc, j'ai fait le scanner. Mm-hmm. Ils n'ont rien trouvé. J'ai fait le IRM. Mm-hmm. Ils n'ont rien trouvé. Tu avais une ceinture? Ouais. D'accord. Et donc, je portais une ceinture. Donc, mon médecin m'a dit, bah, tu es jeune, mais tu vas souffrir comme ça durant toute ta vie. J'ai dit, mais vous êtes le médecin terrestre. Mais il y a un médecin céleste et je sais qu'il va me guérir un jour. Il me dit, bon, ben, si tu crois, ben, moi je ne crois pas, mais on verra un jour. Donc du coup, je prenais du Voltaren en comprimé, mm-hmm. donc deux médicaments par jour. Non, ça c'est encore un autre cas, ça. Ah ouais. Ah oui. Ah ben, vu le dossier, ouais, on comprend. Donc du coup, donc, je prenais le Voltaren. Et en 2013, du coup, bah, j'ai eu l'hypertension. Ça, c'est le médicament pour l'hypertension. Ça, les deux, là. Voilà, les deux. Donc, du coup, j'ai arrêté le Voltaren parce qu'il m'a dit, comme c'est dans le sang, c'est dangereux avec ce médicament. Donc, j'ai arrêté. Et je ne pouvais pas dormir. C'est-à-dire, sur le ventre, sur le dos, sur les côtés, j'avais mal. La nuit, c'était horrible. Je ne dormais pas la nuit pendant des années. Ça a duré 20 ans de cette maladie, de souffrance. Donc, du coup, il m'a prescrit la ceinture. Donc, je mettais la ceinture. Donc, c'était difficile. Et quand ça me faisait bas, ça me faisait ici au niveau de bas, ça descendait dans une fesse. D'accord. Et ça descendait là. Donc, ils pensaient que c'était le diastique et le sciatique. Donc, ils ont vu au niveau des scanners, il n'y a rien. Ils pensaient que c'était le hernie discale ou soit c'est les disques qui sont pétés au niveau de dos, mais il n'y a rien. Mm-hmm. Tout était nickel hein, sur la radio. Oh, ouais. Tout était normal. Voilà. Mais je ne comprenais pas. Donc, du coup, le 13. Décembre, j'étais à Bruxelles, comme j'habite à Tourcoing. Bon, je vous suis partout. Hein. Il y avait un programme de réveil. Voilà, il y avait un programme à Bruxelles. Donc, du coup, je suis allé. Donc, vous avez demandé quelqu'un qui a une ceinture peut sortir devant. Donc, du coup, ben, Dieu m'a dit, mais c'est toi, mais sors. C'est ton jour. Wow. Alors que je venais depuis l'année dernière ici à la prière. Ben, bon, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, c'est pas mon jour. Hein, il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Donc, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, donc je ne me précipite pas. Mais que son nom soit glorifié toujours. Et je priais pour ça. Donc, du coup, le jour-là, ben, Dieu m'a guéri. Et je suis rentré le premier jour à la maison, j'ai dormi comme un bébé. Hein. Oh! Ah ouais! Alléluia! Ah, ah ouais! Attends. Voilà. Jésus est trop fort. Ah ouais. Le premier médicament que je vois là, c'est l'ercanidipline. Waouh! Wow. Il y a des noms bizarroïdes. Hein. Il a reçu le nom de celui de tout le nom. Deuxième médicament, indapamide. Donc, indépendance. Maintenant, on va écrire Alléluia. Dessus. Tu vas écrire dessus indépendance. Alléluia. Jésus t'a. Amen. Donc là, tu n'as plus rien. Donc, du coup, ben, pour l'instant, j'ai dormi, le premier jour, je suis rentré à la maison, j'ai dormi comme un bébé. Mm-hmm. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais comme par rapport à mon métier, comme mm-hmm. je suis routier, mm-hmm. et deux fois, à force de rester tout le temps, de rouler, ben, je sens que ça descend un peu là, mais je sais que Dieu va faire le reste. Mm-hmm. Voilà. Mais là, le dos, c'est nickel. Hein. Nickel. Tu dors normalement. Ah ouais, je dors comme un bébé. Avant, je ne dormais pas pendant des années de souffrance. Là, tu as plus de ceinture et tu dors comme un bébé. Non, j'ai enlevé la ceinture le même jour et puis je dors comme un bébé. Mais je bénis le Seigneur. Waouh. Mais tu as payé pour ça? Non, c'était gratuit. C'était gratuit. Qui t'a guéri? Ben, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a sauvé? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu peux dire aux malades qui sont là, qui sont ici, qui pleurent? Ben, je dis tous à mes bien-aimés que Dieu, il est fort. Et il est magnifique. Mais même si on vient à Dieu et que si Dieu ne nous guérit pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, il va nous guérir. Parce qu'il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Mais il faut avoir la foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est le message que je vous adresse ce soir, en fait. Mais je bénis le Seigneur et que Dieu te bénisse aussi. Ainsi, toute ta famille. Et je demande également, particulièrement, parce que je suis centrafricain. Dans mon pays, actuellement, c'est pas évident. Mais tout ce qui se passe. Donc, il faut beaucoup prier aussi pour ce pays. Parce que les gens sont asservis là-bas.
dans les églises. Donc, ouais. Bah, tu vas prêcher en sango ici. Hein. Ouais. Tu parles sango, non? Ouais, mais je parle couramment sango. Bah. Ah, ben, bah, fais une émission en, en sango. Ouais, ouais. Hein? Donc, c'est tout simplement ça. Mais... Les Centrafricains, est-ce qu'il y a des Centrafricains ici? Vous êtes où? Alléluia, levez-vous, on va prier pour la Centrafrique. Prions pour cette nation, il y a une guerre terrible, mes amis, là, comme vous le savez. Seigneur, nous prions pour la Centrafrique. Merci. Au nom de Yeshua. Jésus. Merci pour toutes les guérisons. Jésus. Ce peuple, Seigneur, s'entraîner sûr. Jésus. Seigneur, nous prions pour ta paix dans cette nation, au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour la Centrafrique, nous prions pour cette nation, Seigneur. Opère un signe. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, oh Dieu. Agis à cause de ton nom, papa. À cause de ton nom. Seigneur, sauve cette nation. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les députés, les sénateurs, pour la présidente. Seigneur, au nom de Yeshua, pour ce peuple. Oh Dieu, ta miséricorde, ta grâce. Ta grâce, papa. Merci, je bénis ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci. Jésus. Gloire à Dieu.